immédiatement l'avantage. Alphoa, manche numéro 3. Là, c'est passé. Et on essaye évidemment d'attaquer avec notamment la Belgique, la Dean Wouters, pour le moment la deuxième position, qui va essayer de passer par les extérieurs, le deuxième virage. Non, ça se passe pas. On résiste bien du côté de la France avec Thomas Auger. Donc pour le moment, toujours l'avantage. Dean Wouters à la deuxième position pour la Belgique. On s'intéresse à la suite du classement. Attention, cette troisième ligne droite, toujours très compliquée. Troisième position, donc pour Titouan Nicolas, un autre Français. La Race 54, nouveau départ. Donc Léon Douzon toujours sur la piste avec un pilote là, qui fait la différence immédiatement. Il s'agit bien évidemment de Baptiste Duhier qui a pris l'avantage comme il l'a fait lors de première manche chez Dimour pour United Kingdom et Dimour. Donc l'Angleterre occupe lui pour le moment la deuxième position. On est déjà au stade de la mi-course, pas de changement. Baptiste Duhier toujours à la première place, de seconde place pour Dimour. Pour United Kingdom de ce côté-là non plus, ça ne bouge pas. On va essayer de s'intéresser maintenant à la suite du classement roule avec un pilote là-bas qui est à l'attaque pour revenir. Il s'agit de Wolfram Filorget, peut-être prendre les points de la deuxième place. Race 55, les boys ont 12 ans toujours sur la piste. Attention, le premier virage, on est épaule contre épaule, personne ne veut lâcher, bien évidemment. Et finalement, ces choses profitent à la Belgique avec Piotr Paes-Wissens qui a pris l'avantage, le Belge, donc, qui a réussi à se défaire de ses candidats juste après la première ligne droite.